e tutte le fasi di quella e le fasi di campo. On est aux Unis de Paris. Oui. Dis-moi quel bonbon tu avais ici. C'est le Cédric qui nous amène et c'est un très gros jour pour nous parce qu'on a beaucoup travaillé pour arriver là. Et on peut même dire que c'est un début parce que pour nous, après le Zénith, c'est sûr qu'on a l'intention de conquérir notre marché. Commençons par le début. Comment ça s'est passé aux États-Unis, tout ça, le festival? Dis-nous. Le festival, c'était super. Et on a été au festival à Miami et pour la fête du drapeau, on a clôturé le festival et pour la première fois, ça s'est très bien passé. Le public était content, les sponsors de même, et ainsi que le propriétaire du festival. Donc tout s'est bien passé. Ben c'est bien. Mais dis-nous un peu, dernièrement il y avait les élections. Les élections présidentielles, oui. Ça. Il y avait tout ça. À ce qu'il paraît, il y avait la Ligue, comment on peut dire, la Ligue des artistes qui soutenait Michel Martin. Comment ça s'est passé? Explique-moi parce que moi je n'étais pas là-bas. Ça s'est bien passé et parmi lesquels il y avait Chaba, Roberto, Rinaldo, j'étais là aussi, et Karimi était là, donc on était tous ensemble pour supporter Michel Martini, notre nouveau président, qui est toujours notre confrère musical, et qui aussi qui a de bonnes relations avec nos pères que il jouait avant de midi. Donc, c'est une belle fête. Côté que tout le monde qui est dans l'ambiance, c'était super. L'inauguration pour le président, c'était bien organisé. Et pas de désordre, pas de rien. Mais tout le bagage bien fait, tout le bagage bien passé. Suite qui est président Michel Martelly. Alors là, on attend, bien sûr, comme celui qui était comme musicien, on attend sûr qu'il va mettre des règles et des lois pour la musique haïtienne en Haïti. Ça, c'est l'un des points les plus importants. À ton avis, est-ce qu'il y a une différence entre la série en Haïti, est-ce que c'est énorme entre celui qui est Michel Martelly? Il n'y a pas de différence. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bon, c'est que Michel Martelly a toujours été un musicien. Il a toujours été un musicien. Même s'il faisait ce que les gens n'aimaient pas, mais lui, il savait pourquoi il le faisait. Et là maintenant, aujourd'hui, on a pu remarquer toute sa carrière, toute sa parfaite carrière musicale qu'il a bien réussi, qu'il a tracé le chemin pour les autres, les créoles là, pour passer au Caribe, Tiba et autres. Je pense que moi-même personnellement, connaissant Michel, il est toujours resté le même homme, très simple, très sympathique et qui a toujours des ambitions et qui voit très loin pour son pays. Et il a aussi un caractère fort qu'il a toujours donné. Donc pour moi, c'est toujours le même Michel Martin. C'est juste que il ne va plus dire de bêtises, il ne va plus faire ces genres de choses parce que là maintenant, c'est le président. À ton avis, c'est l'homme de la situation? Oui, définitivement. Pour moi, c'est le meilleur choix. Et je pense que parmi tout ce qu'il y avait à choisir, Michel Martelly est le meilleur choix. Il a été le meilleur choix. Et c'est ce choix qu'on a fait, nous, musiciens, et c'est ce choix que le peuple haïtien aussi. On se demande, après Michel Martelly, est-ce que toute la Ligue de l'Ordre, la Ligue de musiciens ne va pas laisser sur la politique? Non, 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 non.
ça, c'est sûr que non. Parce que là, ça serait comme un jeu là. Et tous les musiciens veulent être ministres, présidents, sénateurs. Ça, nous, les musiciens, au contraire, on sera là pour appuyer Michel. On sera toujours avec lui. Et nous-mêmes, on va toujours faire le genre de boulot qui est la musique, les concerts et tout. Et si lui aussi, il peut nous supporter dans le sens qu'il fasse mettre des conditions, des lois en Haïti, là où on empêche le bootleg, par exemple, là où on peut empêcher aussi. Là où on peut même respecter les droits d'auteur. Ça, c'est très important. Parce que là, en France, en Europe, vous avez la SACEM, aux États-Unis, ils ont le BMI, en Haïti, nous, on n'a rien. Donc, je pense que pour la musique, ça, c'est le premier travail. Qu'est-ce qu'il commence à faire maintenant? Bon, il travaille là maintenant, il travaille sur des écoles gratuites. Que je pense que c'est une des plus bonnes idées parce que c'est une des plus gros problèmes que nous avons en Haïti, nous pas instruits. Donc ça veut causer que le peuple là, que nous-mêmes qui pas à l'école, pas pour pouvoir trouver l'éducation, nous faire des barrières par social. Et justement, on se bat contre nous. Donc en même temps, si vous voyez bien pays à l'autre, puisque le baguette intérêt pour faire tout ça. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'éducation. Le commencement, l'éducation de la jeunesse. Donc, je pense que c'est une des meilleures choses à faire dès le moment, c'est préparer les jeunes de demain pour qu'ils puissent vivre là où. D'accord. Est-ce que Créole a préparé les jeunes de demain aussi? Bon, c'est sûr, parce que Créole on donne de bons exemples et comme on est là au Zénith, on a suivi des traces de Tabou, des traces de Macron et de tous les grands Robert, Martino, Tic Express, Martino, merci, dans l'Express. Donc, on suit et on aimerait aussi que les jeunes nous suivent. Donc, c'est pour cela qu'on a pris la peine de faire ce qu'on fait avec l'instruction et avec amour. Personnellement, c'est quel artiste, c'est quel musicien que tu fais? C'est ton père, mais toujours. Ah oui, c'est pas le même que je vais dire. C'est pas le même que je vais dire. Bon, c'est une vision. Là, c'est sûr qu'on n'a pas lu le même tempérament. Mon père dit qu'il est petit, moi, et le caractère donc, et j'ai beaucoup puisé de Michel Martelly aussi dans l'animation, surtout. Et donc, je peux dire, mais en tant que hip-hopiste, mon père est un modèle pour moi aussi, et un modèle pour les hip-hopistes. C'est quoi les. C'est la période estivale. Il y a eu Compatriot. Dis-nous un peu. Qu'est-ce que Compatriot adore? Qu'est-ce que ça vient de dire? C'est la politique, comment faire? Compatriot ou Créole? Pour Gabriel, Créole là. Pour ce soir, c'est une surprise. On a tout préparé. On a préparé le jour. À la fin, même les briques, on les a préparées. Au niveau du budget, généralement, là maintenant, on travaille sur le nouveau compas qu'on appelle nous le compas de bon Dieu. Bon Dieu, c'est une façon différente. C'est pour le nouveau compas. Mais, on fait plus de jeu entre guitare, keyboard et vous. Donc,
il est sur le coup de tous. Mais là, la façon qu'on fait ça, on essaie de créer notre propre new generation. New évolution. Ah, d'accord. Nouvelle évolution. D'accord. Ok. Même pas les mêmes plus. Pas les mêmes plus. Bon, 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 on a beaucoup travaillé pour aller là en Belgique et c'est sûr qu'on va beaucoup travailler pour nous-mêmes les gars là pour faire une visite à moi parce que souvent il y a des étages la confiance d'abord nous-mêmes on va faire ça comme ça pour que les gens pour que les gens marcher pour percer, pour connaître la musique haïtienne plus loin. D'accord. Donc, ça, c'est des compagnies qui sont bien adaptées. Et là maintenant, c'est surtout qu'on a le bambouille qui marche assez bien. Et on aura d'autres choses aussi comme paravoyer, des souvenirs, ça qui est la vie. Justement, que on l'a pas pensé comme ça. Parce que j'ai une belle prestation de la vie. Et c'est une des bagages que la vie est venue. Pour les systèmes pensés comme ça, c'est Jacob. Tu vas être pensé. Si que Jacob pas là, pas d'après, nous-mêmes, de peur là, nous ne pensons pas à ça. Nous pensons que nous vivons plus loin. Au contraire, la route est doublée pour notre tour, nous vivons plus loin. Pour nous, quand tu es là, c'est nous qui nous comparons, c'est nous qui étions là. Bon, le mot de la fin, pas de soucis. Le mot de la fin, un petit mot de la fin. Le mot de la fin, je demande à toutes les familles de Créola, de toutes les assurances de Créola, et toutes les familles qui sont pas constantes, c'est Tigay, Fanatic Alumni, Fanatic Chapou, Fanatic Alumna, n'importe quel groupe, nous devons toujours que nous sommes ensemble soudés pour nous pousser au combat. Devant nous, pour ne pas voir que nous c'est Fanatic Tigay, encore une fois, Tigay, c'est Fanatic Chapou, c'est le maximum. Que c'est les Antillais, que c'est les Français, les Portugais.